Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu d'édition, on va s'ouvrir du style de combat. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert du style de combat et franchement, ça fait plutôt plaisir. On a à l'intérieur 3 boosters, on a du Voltali, on a un petit Marisson, il me semble, en jeton. Voilà, franchement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'items style de combat, mais ça va arriver sur la chaîne puisque ma commande est en train d'être traitée et là il va y avoir pas mal de choses. Déjà les deux coffrets Chifours, tout simplement les coffrets standards que l'on trouve partout. Il va y avoir le coffret Tortank, le coffret Florizarre, et puis je me souviens plus, je crois qu'il y a quelques petits tripacks aussi en plus. Voilà, c'est plutôt chouette. Hop, la carte Voltali qui est très sympa. De cette édition-là, j'ai eu pas beaucoup de choses. Vous les avez ici, toutes mes cartes ultra rares. Tyrannosif, le Chifours, 1000 points V en full art, et enfin le Chifours, point final. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas exceptionnel, mais j'ai l'impression quand même que c'est compliqué. On est sur une série standard, et bah, du coup, bah, il faut quand même ouvrir énormément de boosters pour avoir quelque chose de sympa. Je crois que j'ai dû faire, oh, je sais plus, entre peut-être 12 boosters, ou peut-être 15, voilà, mais j'ai pas été fameux sur ces ouvertures. Mais en règle générale, je suis pas très très chanceux, voilà, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, vous le savez, vous me suivez en vidéo sur Destinée Radieuse, et comme vous avez pu le voir, toujours pas. Ben non, je vais pas faire ça. Toujours pas de Draco Feu, voilà. Et je suis à, oh, je sais plus, en plus de 100 boosters, ça c'est certain. Hypocéen, alors je redécouvre un petit peu cette série hein, parce que ça fait un petit moment. Éventail houleux, franchement, c'est une belle série. Moi j'aime bien, mais bon, j'ai dû faire un choix. Je vais quand même avoir quelques items qui vont arriver que je vous proposerai à l'ouverture. Spoink, Archéomir, on a un Grunkui, Pachirisu, on arrive avec Eoku en reverse, et on a un Dryul. Oh. En rare, franchement, elle est pas ouf du tout. Alors, on va mettre ça comme ça, on fera le bilan, hein, parce que là on est sur une série standard, donc bah, les ultra rares on n'en a pas énormément. Allez, deuxième booster avec le Chifours, alors je sais même lequel c'est, entre 1000 points et point final. Hein. Franchement, je pense que le bleu, j'en sais rien, peut-être que c'est le 1000 points. Je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si vous le savez d'ailleurs, voilà. Moi, alors ce que j'aimerais bien avoir, c'est, alors évidemment je suis fan de Tyrannosif, donc évidemment la carte de, oh là là, qu'est-ce que j'adore ce Pokémon. Franchement, Morpeko affamé, je l'adore, il est là avec ses trognons de pommes, comme ça c'est très sympa. Voilà, moi j'aimerais bien avoir là, celle que Tyrannosif est bien repu, là, allongé dans l'herbe, après avoir fait un bon repas, ça serait juste génial. Shaglam, ça fait partie des cartes, on va dire, les plus... Alors, je dirais pas les plus rares, parce que je crois que c'est une secrète. C'est une secrète, pardon, et comme toutes les secrètes, elles sont très très rares. Mais disons que la plus recherchée, ou une des plus recherchées, Amplifort, qui est une rare river, ça c'est cool. Et regardez-moi ça, Prismillion, quoi. Prismillion en rare. Est-ce qu'on aura avec ce dernier booster quelque chose? Allez, je croise les doigts. Est-ce que Tyrannosif va pas nous appeler Tyrannosif? Ça serait juste incroyable, franchement. Ça serait top. Ou juste une petite ultra. Voilà, moi ça me va. Hein. Franchement, c'est pas évident. Allez, on a un Fermite. Un Chaffreux qui porte assez bien son nom. Le bloqueur d'outils. Un Malos qui est très sympa. Lixi. On a un Scorplan. Un Spwink. Et on arrive bientôt à la Reverse. Non, j'ai passé une carte. Hop, Archéomir qui est pas foufou. On a un très joli Vrison et allez, quelque chose. Non, mais c'est quoi cette ouverture? Et j'ai bien envie qu'on s'ouvre un deuxième tripack. Voilà, Hexadron en rare. Allez, on va faire ça. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai bien envie pour aujourd'hui de se faire un deuxième tripack. Voilà, allez, hop, on va s'ouvrir celui-ci avec Evoli cette fois-ci. Comme ça, ben, ça fera deux tripacks. Alors, j'espère quand même avoir quelque chose sur deux tripacks. Ben, sinon, je serais super vénère, quoi. Ben, ça serait vraiment pas cool du tout. Surtout, ben, pour avec deux. Avec 6 boosters, quand même, 6 boosters, on pourrait s'attendre à avoir. Allez. Avec 6 boosters, hop, le 6ème il est là, on pourrait s'attendre. Alors je vous montre quand même la carte Evoli, qui est très belle, hein. Franchement les cartes promo sont sympas de cette série là. Voilà, allez on continue, oh là là, je flippe.
C'est le stress sur cette série-là, parce que franchement, j'ai l'impression que le taux est encore moins bon que d'habitude. Normalement, on est plutôt sur 1 sur 4, 1 sur 5. Là, j'ai l'impression qu'on est je sais pas, franchement, je sais pas. On va voir. Allez, on continue, on y va, on sait jamais. Ça peut être un super tirage. Cacturne, on a l'énergie 1000 points. On a un petit grippot tranquillou. Chaglam, alors là j'ai un message sur mon iPhone, donc je peux plus lire. Ramolos, Voltoutou, Cornèbre, moi, j'aime bien quand même cette série, elle est vraiment belle. Allez, allez, quelque chose, on est bon. Non, on n'est pas bon, on n'est pas. Oh là là, Exagide en rare. Allez, avant-dernier, booster de cette ouverture. Et franchement, le titre, je vais faire sans commentaire. Je le sens bien venir là. Allez. Oh, j'arrive même pas à l'ouvrir. J'ai l'impression que c'est scellé n'importe comment. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Regardez, hop, ici. Je sais pas ce qu'ils ont eu, les boosters. J'ai l'impression qu'il est scellé n'importe comment. J'arrive pas à l'ouvrir. Et j'ai pas mon ciseau. Et j'ai pas envie de tout casser. Alors peut-être comme ça. Non, ça veut pas. Ça veut pas non plus. Non. D'habitude, j'ai mon ciseau là sur le bureau et là, eh ben, il n'est pas là. Et j'ai l'impression que c'est très très difficile à l'ouvrir. Ah, voilà, ça va être plus simple. Voilà, hop, on est bon. Allez, avant-dernier booster. Et franchement, j'ai l'impression que. Je sais pas, je crois que là, c'est à pas regarder. Je vais mettre un mot. Oh là là, Morpeko, qui est beau. Démoclès, Psystigri, Larvadar. Dunaja, Malos, allez, on. Oh là 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 là. Colomar, allez, mais non, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette ouverture? Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Allez, dernier booster. Franchement, c'est la galère. Bon, je voulais pas ouvrir beaucoup de boosters sur cette série, je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que franchement, c'est pas la série qui me porte chance. Allez, j'espère qu'en tous les cas, ils n'ont pas changé leur quantité d'ultra rare, parce que c'était déjà faible. Allez, on y va. Vagomine. Coléodome qui est tout mignon. Tritox qui est super chelou. Voilà. Bon, chez Tifleur, c'est sans commentaire. Quingfouine. Voltoutou qui est toujours aussi sympa. Chaglam. Oh là 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 là. Allez. Oh non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que cette ouverture? Bon, écoutez, je suis assez déçu. Ah bah forcément, regardez-moi ça, regardez-moi ce tirage-là, mais c'est pas possible. Alors, on va quand même regarder les cartes. Mais c'est quoi cette ultra rare? Cette ultra rare, cette rare, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Très chelou. Bon, voilà, c'est vraiment nul. On s'est ouvert 6 boosters. 6 boosters et qu'est-ce qu'on aura eu? Rien. Voilà, rien, rien et rien. Sans commentaire, voilà. Je la sentais pas cette série, même si je la trouve très belle. Hein. Franchement, je trouve que c'est une très belle série. Je suis assez déçu. Je vais quand même vous proposer à l'ouverture, comme je l'ai dit, les coffrets qui vont arriver certainement pour la semaine prochaine. Les 2 coffrets Chifours. Je vais recevoir du tri-pack. Je vais recevoir aussi les 2 coffrets Tortank et Florizarre. Au moins, on aura des ultra rares à l'intérieur. C'est déjà pas si mal. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire pire. 6 boosters. Que dalle. On se retrouve dès demain. Dès demain, je vous proposerai, comme d'habitude, 3 ouvertures destinées radieuses. J'espère être plus chanceux sur cette série. Bon, enfin, en général, on est toujours plus chanceux sur cette série. C'est l'avantage, hein, parce que là, franchement, voilà, hein, je crois que c'est sans appel. C'est vraiment nul. Voilà. Allez, on se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.